temps que je n'ai rien publié parce que j'ai eu pas mal mal au dos cette semaine, donc aujourd'hui ça va un peu mieux. Et aujourd'hui, je suis venu plus tôt, 9h30 ici sur place, et comme vous voyez, il y a pas mal d'algues aujourd'hui. Il y a eu quelques marsouinages devant moi. Le troisième lancé, j'en ai touché un. Il s'est malheureusement décroché au premier saut, donc on verra si ça ira mieux tout à l'heure. Tout à l'heure. Sur la mouche de Marc, il pleut rien. Donc je vais essayer une autre couleur, noir et rouge, avec une petite tête parce que il y a des chasses aussi. Je crois que c'est un tout gros. Backing mais très très loin. Il est parti à déjà 100 mètres, je crois. Pas encore sauté. Il est malin, il va vers les filets. Putain. Ouais, il va me péter. Ouah, c'est un très gros. Très très gros. Il est très très gros. Pas encore vu sauter. Il est parti directement vers le filet. Là-bas tout au bout. Et il m'a pris certainement 200 mètres. Il repart. Ah, oh, shit. Je me demande si c'est un tarpon parce qu'il n'a pas encore sauté. Et partir si loin comme ça, c'est quand même étonnant. Et il repart. Pourtant, je suis monté avec du 60 centièmes, ça devrait aller. Je ne sais pas si c'est un tarpon. Je crois pas que c'est un tarpon. Il aurait déjà sauté. J'ai jamais eu un départ aussi fulgurant et qui me prenne 200 mètres de backing. C'est bizarre. Je vais essayer de revenir vers la plage pour gagner au moins quelques mètres. Bon, résumé de la situation, ça fait bien 10 minutes que je suis en train de lutter avec un poisson. Je ne sais pas ce que c'est, un tarpon, peut-être un snook, le tarpon. En tout cas, il n'a pas sauté. Il m'a pris vraiment beaucoup de backing. Je suis encore toujours sur le backing d'ailleurs. Et il tire toujours aussi fort. Donc j'espère au moins voir ce que c'est. Tout de suite! Génial parce que c'est mon premier gros thermite que je prends au monde. Tiens, la baie. Tu la vois? Ouais. Ça, c'est incroyable. Merci.
Donc pendant que je pêche là, eh bien ma femme profite de la piscine.